Salut, salut, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle catégorie DIY. Et là, c'est une recette pour son silicone végétal. Il vous faudra 97,9 g d'eau, 1,5 g de carragénane et 0,6 g de Cosgar. Faites tout simplement chauffer de l'eau au bain-marie. Et ensuite, venez introduire votre carragénane. Bien sûr, vous pouvez l'introduire dès le départ, ça ne changera rien. Il viendra se dissoudre tout simplement à 70 degrés. On touille pour avoir une préparation bien homogène. Une fois que le carragénane a fondu, vous pouvez venir le sortir de l'eau et tout simplement venir introduire le Cosgar. Et continuer bien entendu de remuer. Vous allez voir que votre préparation s'est teintée d'une légère couleur jaunâtre et c'est tout à fait normal. Ça va rapidement gélifier et c'est ce qu'on recherche. Une fois que votre solution est préparée, vous pouvez le verser dans un récipient au préalable bien désinfecté. Et voilà, vous pouvez notifier la date de préparation et la date de péremption, c'est-à-dire 3 mois après avec le Cosgar. Et voilà, vous pouvez admirer votre silicone végétal complètement gélifié quelques heures après. Vous pouvez l'utiliser dans les shampoings, dans les solutions capillaires, même dans les soins visage, c'est vraiment top. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous laisse avec ma précédente vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao! Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Je vais vous présenter des produits que je me suis...